les gars. On y va là. Ça va ou quoi? Alors Archipel, bah, c'est nous. Alors Charlotte qui est à la voix et moi aussi. Donc on est les deux voix ici. Mais on est aussi avec Amaury, Gérard et Driss qui s'occupent donc de faire les beats, les claviers et les percussions. Et aussi Amaury à la guitare. Voilà. Et bah, du coup, Archipel, c'est un groupe d'électropop. Et enfin bon, c'est vulgairement dit comme ça. Après, on a beaucoup d'influences plus précises que ça, mais le genre, c'est de l'électropop. Mais on est influencé par la world music. Et de toute façon, ça se ressent aussi avec cette idée d'avoir voulu appeler ce groupe Archipel, cette idée de se réunir et de se retrouver avec des influences différentes, des horizons différents et d'essayer de construire quelque chose à partir de là d'où on vient et ce qu'on veut faire. Bonjour, alors je suis Vincent, guitariste et chanteur, Samy, songwriter, et Florian, aussi guitariste-chanteur, on est les Dream Paradise. C'est un festival qui nous tient pas mal à cœur, parce que c'est organisé par l'association Dynamo, et c'est des gens qu'on connaît bien, et dans un superbe lieu, avec une super programmation, donc on est très contents d'être là. Alors hier soir on a joué à Bourg dans le bar dans un petit café qui est à côté de cette halle et c'était vraiment une super expérience parce que moi je viens du coin et c'était vraiment très sympa. On a inauguré le festival en fait, on a fait l'ouverture, donc ils ont coupé le ruban avec des ciseaux en argent et tout ça. Et on a joué tout de suite après, c'était vraiment, sur le coup, c'était vraiment l'effusion, il y avait plein de gens. Et c'était vraiment un moment extra, il y avait des gens vraiment du coin. Il y avait des gens qui venaient de Bordeaux, j'ai fait des rencontres, des gens qui viennent de Metz, de Paris, des gens qui viennent un peu partout. Et c'était vraiment chouette que ça se passe comme ça, dans un endroit comme Bourg-sur-Gironde. Sur Gironde, où l'on jouait de la fronde, oui, avec les copains, oui, de bon matin. Il y avait les croissants et le pain. Il y avait aussi des filles superbes qu'on ne se tapait jamais.